aranzaka mbele kuchukua wakati yake yote. Il établit la doctrine. Anaweka mbele mafundisho. Il met de l'ordre. Msingi, anaacha hapo. Maintenant il quitte. Ordre njo anenda. Il ne faisait pas une semaine, il met non non. Ashikwanzeke kufanya pafua shijuma moya kisha anatoka hapo, hapana. C'est un apôtre. Atakwaka ni mtume. Frère Franck parlant de notre temps. Ndugu Franck wakati anasemea mambo ya wakati yetu. Dis je parle quelque part. Asema mimi naweza kwenda fashi moya. Les gens croient. Bantu banaamini. Si je reste comme ça, ils vont entendre dans le monde. Kama mimi nabachiria tu paka hivi, batarudia mudunia. Mais on n'a pas le temps pour faire toutes choses correctement. Lakini atuna na saa ya mingi juu ya kufanya mambo yote bila na saa. On déjà préparé. Tunapaswa kuwa na banki ya saa tayari. Ils viennent, quelqu'un qui est déjà mûr, pour rester avec ces gens, les instruire dans les voies du Seigneur. Mtu la chaque comme même sauti ya Mungu. Tunamuita na kuya juu asaidie bale benye banaamini hapa sasa. Bakomee munjia ya Bwana. C'est-à-dire on doit éviter la précipitation. Tunapasha kuepuka kufanya bintu mbio mbio. On fait beaucoup de fautes dans la précipitation. Bintu bia mingi. Kama mtu anabifanya mbio mbio njoo kunegala kukotola. Je vous donne un exemple. Mimi mpatia mfano mmoja. Quand on était à Kaboul. Ile saa tulikuwa kwa Kaboul. Ça fait partie de notre histoire, notre marche. Hii ni safari vile tulikuwa natembea ni hadisi. Au niveau des prédicateurs. Mbele katikati ya bahubiri. Il y avait des doctrines différentes. On était une foule mélangée. Des prières de tonnerre révélées. Branham, fils de l'homme. Oh, Branham, fils de l'homme. Même au niveau de Diak, la même chose. Même dans l'église. Frère, une marche pénible. Il quoi ni magumu juu ashi kutembea pamoja. Il quoi mateso. C'était pénible. Il quoi mateso. C'était une marche pénible. Turite soa. Nous avons souffert. Mais à un certain moment, j'ai non non. Sa wakati mimi na sea pana. Sans doit pas continuer ainsi. Atoezi kuendelea hivi. Ni quel siège. Ça c'est quelle sorte d'église. L'église est stable, constante. Kanisa inapasha kushimama mzuri bila kutenga tenga. Il fallait du courage. Il pas chaque fois dans vous. On dit frère, nous sommes dans une impasse. Dans ces manduku, tout comme wakati moya mateso ya magumu. Dans cette église, il y a des doctrines. Mui kanisa mko mafundisho mbili. Il y a ça, des contradictoires. Kuma mafundisho ya misingi kuna kombanishana. Même au niveau des prédicateurs. Na katikati ya bahubiri wenyewe. C'est un temps de décision. Asi hapa tunapasha kubeba sasa ma décision. Chacun doit choisir. De quel côté il veut évoluer. Anapasha kuchakula ni ngambo kanikula tenda jua kuendelea. J'ai commencé par les prédicateurs. Miranza mbele na bahubiri. Il y avait 6 prédicateurs. Kulikuwa ka bahubiri 6. J'ai dit mes frères. Inabambia se bandu. On ne doit pas jouer à la religion. Tushifanye kidini hapa. Nous ne croyons pas de la même manière c'est établi. Atuna ben kuamini. Namuna moya moya binonekana bishakujulikana. Moi en tant que responsable, mie sa kiongozi, j'irai devant l'église. Mimi nitenda mbele kanisa. Et je veux présenter la situation. Kubambia vile mambo iko. Que chacun choisisse son côté. Kila mtu achakule ngambo ila tenda. Non, tu vas diviser l'église. Afana kifo vile takatala utakatulula kanisa. Dis, même si vous refusez, moi je vais faire ça. Mimi nasema taka mimi nakatala, mimi nitenda kusema. Et je mettrai dans l'église, nous sommes dans une impasse. Il y a des doctrines contradictoires. Et tout le monde peut constater la chose. Que chacun choisisse. Et ça a décanté beaucoup de choses. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Bantu abezu kutembea bawili kama bana na sikilizana. Nous devons nous mettre d'accord. Tunapasha kusikilizana mbele. Pour marcher ensemble. Tu ashi kutembea pamoja. Ceux qui sont ici. Bale beko hapa. Ils doivent être d'accord avec la doctrine de l'église. Banapasha kuichikia mafundisho ya msingi ya kanisa.
Et la doctrine, c'est quoi? Na mafundisho ya msingi ni nini? C'est l'enseignement des Écritures. Ni mafundisho ya maandiko ya mu Biblia. Arranger les citations, ce n'est pas l'enseignement. Kwenda kubeba ma citation kuipanga panga kuitengeneza aina ndio mafundisho hapana. Même les citations de frère Branham. Atama vous devez trouver un appui biblique. Atama mawili nduku Branham ma citation unapasha kwa na msingi mu Biblia. Quand il a dit ça, kusema wakati alisema vile, il s'est appuyé sur telle écriture. Alibeba aliegemea pa andiko fulani. C'est l'écriture qui donne la force à la citation. Andiko ya Biblia ndio kunapatia ile citation ikuwe na nguvu. Mais une écriture elle-même n'a pas besoin de citation. Sasa andiko ya mu Biblia haihitaji juku kuye citation bisemu ya ndugu na mapana. La parole est puissante et efficace. Tu neno iko ya uwezo na ya nguvu sana. Regardez les gens de la fausse doctrine. Mangare bantu wa mu mafundisho ya bongo. Sont des citations. Boni paka ma misemu ya ndugu Branham. Une doctrine n'est pas constituée de citations. Mafundisho ya msingi yenki na itunga aina misemo ya mahubiri ya mtu fulani. Ce sont les écritures. Ni maandiko. J'aime que cela vous pénètre. Mimi napenda hii mambo imingie mzuri mushike mzuri. Les fausses doctrines, toutes ce sont des citations. Mafundisho ya byabongo beko naifunche ni paka ma misemo ya citation. Parfois mal comprise. Na ingine basha kuishikia ile mafundisho ile ma citation mubaya. Notre fondement s'appelle la Bible. Chie fashi tunashimamia msingi yetu ni Biblia. Dieu a lié l'église à la parole. Mungu ni mwenye kufunga kanisa yake kuneno yake. C'est sa propriété. Ni mali yake kanisa. C'est son domaine. Njo kaji yake mwenyewe. Citation, oui. Dio, ma citation, tunaweza kuisoma. Mais dans le cas des écritures. Lakini inapasha kuambatana na maandiko. Même le message de l'heure. Hata ujumbe ya wakati. Il doit être compris dans les limites de la parole de Dieu. Unapasha kuielewa na ibakirie paka mu mipaka ya neno ya Mungu. En dehors de la parole de Dieu. Haiwezi kwenda nje ya neno ya Mungu kwa vile ni vya bongo. Ceci que les gens du message. Jo kwa maana bantu wa ujumbe. Ils ont donné l'impression au monde que Branham amène des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Banafanya kusema bantu ba mudunia banze kuona sema Branham bila alihubiri habina msauti ya Mungu. Écoutez ce que Fromm dit parlant des ministères dans le message avertissement pour jugement paragraphe 106 brochure de Barlier ni brochure ya Chekina publication 105 Chekina publication 105. Et parmi les ministères, 105. Dieu a donné des ministères pour que l'Église ne soit pas flottante. Mungu alileta mautumishi juu kanisa ishikwe na tanka tanka. Là où il y a de vrais prédicateurs envoyés de Dieu, l'Église est stable. Mahubiri babakole bale Mungu alituma kanisa ya Mungu shakushimama mzuri. L'Église ne cède pas tout vent de doctrine. Non, non, non. Aina aibebwe na mafundisho mbalimbali. Et parmi les ministères, il y a des enseignants. Ce sont des hommes spéciaux. Le docteur est un homme spécial. Il s'assied sous l'onction de l'esprit. Et il est capable de prendre de passage de la parole et de le mettre en rapport les uns aux autres par le Saint-Esprit de telle sorte que ni pasteur, ni évangéliste, ni personne d'autre ne peut lui être comparé. Dieu a kusema ao mpashabari njema ao pastori ashifanane naye aweze kumlinganisha naye. Ce sont des dons de Dieu. Ni mazawadi ya Mungu. Dans le corps de Christ. Mwili wa Kristo. Il l'a donné. Ali patia. Le vrai ministère. Utumishi ya kweli. Ce sont des dons de Dieu à l'église. Ma utumishi ya Mungu ni mazawadi ya kweli le Mungu alipatia kanisa. Quand Jésus a regardé. Wakati Yesu aliangalia. Étant monté au ciel. Kisha yeye kupanda kumbingu. Il a fait des dons. Anapatia bantu mazawadi. Qu'est-ce que je peux donner à mon église? Anasema kanisa yangu ndezo kuipatia nini? L'église de Jésus a des ministères. Ya Yesu iko na mautumishi. Il y a le prophète.
Il y a des docteurs, évangélistes, apôtres, pastors. Ce sont des dons. Mais l'Église catholique a des prêtres et des papes. Mais l'Église de Jésus a des dons. Il y a docteur. Un docteur, ce ne sont pas des citations. Est-ce que vous avez compris? Il s'assied sous l'onction. Et il peut bien aligner les écritures. Tu vois telle écriture. Tu vois ça. Tu vois ça. Et la chose devient claire. Mandiko inambatana inasikilizana na bintu vinakuwa wazi wazi. Mais les tonnerres sont docteurs de citations. Lakini ba tonneriste bo banajua paka ma citation. Sont des dons dans l'église. Il est ni ma zawadi le Mungu Yesu anapatia kanisa. Et quand Dieu fait ce, c'est pour l'église. Wakati Mungu anapatia kanisa ma zawadi. L'église universelle. Kanisa ya dunia yote mujima. Il n'y a pas un docteur congolais. Akuna sema u ni mwalimu wa bakongole hapana. Un docteur du Shaba. Huyu ni mwalimu paka wa bantu wa Kushaba. Un autre de Kinshasa. Huyu asema huyu ni paka wa Kinshasa. Docteur d'Afrique. Huyu ni wa uni wa Afrika. C'est un nom pour l'ensemble du corps de Christ. Ile zawadi ya mwani ni juu ya kanisa ya ulimwengu yote mujima. C'est un nom spécial pour ça. Ni zawadi ya kipekee juu ya dunia yote mujima. Et l'église peut garder une certaine stabilité. Na kanisa inaweza kushimama mzuri bila kutenka tenka. Et on va continuer dimanche. Et cette doctrine, c'est la doctrine apostolique. On va continuer dimanche. Ça ne doit pas être ma doctrine. Ma façon de voir. Nous sommes chez autrui. Le propriétaire de la maison donne tout. Sa doctrine. Ma fundisho yake. Son ordre. Ordre yake. Sa discipline. Na discipline yake. Nous devons arranger notre ordre. Si atuwezi kuleta yetu ordre hapana. Ou notre discipline. Kusikilizana sisi toke na shi yetu discipline hapana. Pour adorer, il faut être en culotte blanche. Asema o Dieu, chez ce qu'ils ont, Dieu a quoi bout de ne pas se trouver les capotes là qu'à Kéoupe. Y a pas non. S'il vient être uniforme. Ça c'est notre vision. Il est ni uniforme. L'Église de Jésus-Christ. Anissa Jésus-Christ. A son ordre. Et qu'on a ordre à yo. Sa doctrine. A fondé chez ayo. Et sa discipline. Na discipline à yo. Et chacun peut comparer son groupe. Na kila mtu anaweza kufananisha kundi yake avec ce que Dieu a proclamé dans notre temps. Na ile mambo Mungu yuko mwenye kutuambia mu wakati yetu. Il ne s'agit pas de slogan. Mambo haina paka kuisema sa mwimbo. Ou de prétention. Au kujizania. Ou de porter une étiquette. Au kuvala kintu fulani. C'est une vie. Mambo ni kuishi. On vit la chose. Kuishi yenye mambo vile iko. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Dimanche, nous allons continuer. Tutendelesha mujuma. Vous parlez de l'église de Jésus qui est une église apostolique. Jua kusemea mambo ya Yesu Christ. Kanisa Yesu Christ yenye kwa kanisa ya mitume. Pas un nom. Aina kanisa ya muntu. À la cité, église apostolique. Oh, kanisa ya mitume. Ndio bacha kwa njika. Église néo-apostolique. Asema kanisa ya mitume. Sont des slogans. Même dans ce message, il est nimisé motu, atamu hii ujumbe. Nous de la sainte doctrine. Asema shiba mu mafundisho safi. Ça ne suffit pas. Mambo haina paka kusema vile. Prouvez que vous êtes de la sainte doctrine. Ya lazima ni wewe onyesha kusema huko naishi. Par votre vie. Ile mafundisho safi. Par votre enseignement. Kupitia mafundisho yako na maisha yako. Parfois ni makelele. Des fois sont des bruits. Oh, Lubumbashi est tombé. Oh, Lubumbashi shakwanguka. Venez avec la Bible. Sasa kwa na Biblia. Mna anguka hapa. Utaonesha sema vous êtes tombé par ici. Nous allons revenir. Kama unatuonesha tutalamuka, tutarudia kurudia. Parce que nous tremblons devant la parole de Dieu. Joshi mbele ya sauti ya Mungu tunatetemeka. Si quelqu'un monte pas les écritures. Kama Mungu mtu ananyonesha maandiko. Que je suis en dehors. Ya kusema miko nje ya maandiko. Je reviendrai en toute vitesse. Mimi nitarudia mu maandiko mbio mbio. Parce que l'église de Jésus est soumise seulement à la parole de Dieu. Kanisa Yesu Kristo inakalake kuna ti paka neno la Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Inclinons nos têtes. Binamishe bichwa. Notre Dieu est notre Père.
Baba yetu na Mungu wetu. L'heure est très très avancée. Taisha kwenda sana. Le Seigneur revient bientôt. Bwana kuna rudi hapa sasa. Tu as envoyé la parole. Ulituma neno. Pour établir ton église, Seigneur, dans toute la vérité. Kurudisha kanisa yako mu kweli yote. Et nous portons de très grandes responsabilités. Achetu kuna bujito bunene. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manifester la lumière pendant ce peu de temps que nous serons pèlerins. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs. Sois de miséricorde que tu appelles ta grâce. Reveille leur esprit, Seigneur, pour que chacun réalise l'urgence du temps. Je prie en même temps, Seigneur, pour tes serviteurs, ce vrai homme, ce don spéciaux que tu as en cette heure pour travailler dans ta vigne, qui soit capable, Seigneur, d'amener l'église à l'unité de la foi, la foi biblique. Nous croyons que tu es en train d'agir. Et chacun peut compter sur ta fidélité. Bénis tes fils. Bénis tes fils. Pour tant de sacrifices. En venant en ce lieu, chacun s'attendra à toi, Seigneur. Tu connais mieux que nous-mêmes nos besoins. Dans ta miséricorde, agis en notre faveur. Égare-nous dans la foi. Conduis nos pas, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Bénis cette communauté. Bénis nos frères et sœurs dans le monde entier. Bénis tes sœurs dans le monde entier. Bénis ce pays dans lequel nous vivons, Seigneur. Et conduis chaque chose pour notre bien. Bénis ta nation. Nous avons la soin, Seigneur, que tu nous l'accorderas. Et nous avons ici demandé avec toi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.